Un parcours, nous tiens-nous, Seigneur, au Dieu de tout ça. C'est pour cela ce matin, Seigneur, pour lesquels nous reconnaissons, Seigneur. Oh, merci, merci, Seigneur. Je suis loin de toi, perdu, Seigneur. Mais un jour, donne pour moi, Seigneur. Ne pas exister pour moi que l'idée. Donne vraiment appel à moi, Seigneur. Oh, mon Dieu, toi, merci. Merci, Seigneur, Dieu de tout ça. Alléluia. Oh, merci, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour Dieu. Voilà, Père de Dieu, ce matin, on prie aux yeux dans le nom de Jésus. Et il est toujours un plaisir pour les jeunes ensemble dans le nom du Seigneur. Laissons ensemble, mes Dieu, vous ce matin. Et pour adorer nos papas, nous pour louer le Dieu de l'équipe. Oh, nous bénis-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de nous réunir ensemble ce matin, Jésus. Alléluia, pour le gloire à gloire, papa. Oh, nous bénis-toi, Jésus-Christ. Mais je te remercie, Seigneur, notre Dieu, pour ta présence, Seigneur, dans la vie. Alléluia. Merci pour tout, Seigneur, notre Dieu, tout ce qui te fait, tout ce qui doit accomplir, Seigneur Jésus-Christ. Tu es un plan pour chacun qui l'a, Seigneur, notre Dieu. Merci, notre Dieu, notre Père, de me permettre de lever ce matin, de me permettre de être là, de te protéger mon chemin, Seigneur, notre Dieu, de me permettre de vivre dans ta présence. Parce qu'il est connu de nous qui se secours. Alléluia. Nous bénis-toi, nous louis-toi, nous donne-toi la gloire. Nous adorons-toi le Dieu des guerres, Seigneur, notre Dieu. En sa main, c'est la voix, nous fermons vers toi, Jésus. Alléluia. Nous donne-toi toute la gloire. Nous donne-toi toute la gloire, parce que tu es un Dieu qui mérite vraiment toute la gloire. Alléluia. Nous adorons-toi, Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu de puissance. Laisse-nous chanter ensemble ce matin que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, Seigneur, venez nous la voir, Père de Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension de toi, que ta présence.
Nous, ce que nous faisons, pas de mieux,
on ouvre même la porte. Après, on lui dit la grâce, on dit, c'est pas la grâce de Dieu. Ça, c'est limite, limite puissance, on dit. Donc, crois, attends, comment un enfant est dans sa patience, il croit dans ses parents, mais il va demander moi si je me la casse, il va demander moi si je travaille, et il va demander bien de l'air. Qu'il fait un peu tout le temps, lui dit, bon, tiens, bien, ce qu'il m'a dit, vous capable.
puissant, Seigneur, notre Dieu est vivant. Seigneur, nous n'en sommes capables de nous devant toi, Seigneur. Nous n'en sommes capables de résister toi, Seigneur. Nous proclamons ton grandeur ce matin, Jésus. Nous proclamons ton grandeur, Seigneur. Pardonne-nous la petite limite, toi, Seigneur. Pardonne-nous la petite limite de puissance, Seigneur Jésus. Demande-toi pardon, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, nous reconnaissons et nous confessons, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui est infiniment grand, alléluia. Seigneur, personne qui vous capable de soi plus de cela, Seigneur Jésus. Qui te infiniment grand, Seigneur notre Dieu, alléluia. Infiniment, infiniment grand. Au nom de ton Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci notre Dieu, alléluia. Donne-toi la gloire ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, pour tout ce qui va accomplir. Merci notre Dieu, donne-toi l'honneur, donne-toi l'honneur, donne-toi puissance, Seigneur Jésus-Christ. Toi, Dieu de merveilleux, toi, Dieu de admirable, alléluia. Oh, louange à toi, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Oh, merci Jésus. Nous venons vers toi, Seigneur, devant le trône de la grâce, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et nous donne-toi tout l'honneur, Seigneur, notre Dieu, ce matin, tout l'honneur de te mériter, alléluia. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, notre Dieu, notre Père. Louange à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Thank you.
Seigneur Jésus. Nous connaissons la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous préparons les cœurs pour recevoir ce matin, pour recevoir de toi, Seigneur Jésus. Merci, ta parole y enseigne-nous, ta parole y édifie-nous, Seigneur, ta parole y corrige-nous, Papa, alléluia. Oh, nous recevoir de toi ce matin, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Nous donne-toi la gloire dans le nom de Jésus, alléluia. Merci que tu prends contrôle ce matin, Seigneur notre Dieu. Louange à toi, Jésus, alléluia. Merci. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, eh bien, bonjour à tous. Et nous la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Et mon patron connaît qui fait au mois de décembre, peut-être Rémoque, ça. L'église moins remplie. Mon patron connaît qui fait. Ce qui nous moins content, bon Dieu. On ne sait pas. Bon, ok, ça va. Sinon, la sœur Charlène, il priait pour que la parole de Dieu y ait prêché. Pour pas vous prier, moi, et vous pouvez justement faire une introduction de ce qui nous a envie de dire aujourd'hui. Laisse ouvert la Bible ensemble avec moi dans Colossiens. Colossiens, le chapitre 3. Non, le chapitre 1er, pardon. Colossiens, il y a après Éphésiens, ça, hein. Philippiens, et puis Colossiens, chapitre 1er. Voilà. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 16. Voilà, gloire à Dieu. Nous prenons tout le temps, le dimanche matin, aujourd'hui. Nous venons là pour apprendre, certainement nous pour apprendre des trucs nouveaux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon. Quand en lui, certainement les péchés de Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Les visibles, visibles veut dire ce que vous trouvez, et puis les invisibles, il y en a aussi les invisibles. Alors, trône, dignité, domination, autorité, la liste est longue. Quoi qu'il, la liste, elle est courte là, mais la liste est beaucoup plus longue que ça. Tout est créé par lui et pour lui. Maintenant, laisse ça, c'est là. Écoute-moi maintenant. Il y a une affaire qui est intéressante là-dedans, parce que Dieu ne crée l'invisible. Maintenant, l'invisible veut dire, il est clair, on ne peut pas trouver. Mais il est invisible à moi, mais il n'est pas invisible à lui. Ça, il y a pour autant de nous comprendre. Ce qu'il appelle invisible, là, il est invisible à moi, mais il n'est pas invisible à lui. Il est trouvé, lui. Bon. Deuxième affaire, c'est qu'on est ouvert. Est-ce que ça, c'est l'unique verset que l'icône de Dieu ne crée l'invisible? Non, ce n'est pas vrai. Un corps s'est placé dans ça. Mais peut-être qu'il n'est pas aussi clair qu'il l'a. Bon. Quand je lis la Genèse, chapitre 1er, verset 1er, il dit, au commencement, Dieu créa des cieux et la terre. Ça, c'est lui second. Et peut-être encore une des trois versets encore qui cause comme ça. Mais ce qu'il y a lié en Message Bible, dans la Bible Message, il mettait clair là-dedans que Dieu ne crée visible et invisible. Dieu ne crée les cieux et la terre, et aussi ben invisible et visible. Ce qu'il y a dans Message. Bon. Et en passant, comment je peux gagner un message? C'est facile. Je download Bible Gateway. Download Bible Gateway, le Play Store, je peux gagner une dizaine ou une quinzaine, même pour voir là-dedans, pour en compter, versets différents. Ça peut aider nous à étudier la parole de Dieu. Bon. Et puis le psaume 33, dis-nous comme ça, bon Dieu, une crée bien cieux. Et tous autres là, mais remarque ça, il y a une façon poétique. Hein. Bon Dieu, une crée bien cieux. Et tous autres là, mais. Je veux dire, pas si cieux l'incrée, pas si stiel l'incrée. Il crée toute une armée autour, qui n'est pas fait mentionner dans le psaume 33, nous trouvons ça. Bon, un corps c'est versé, qui est capable de dire, raconte-nous qui montient une crée, ben invisible. Donc ce matin, nous vous savez comprendre ces affaires invisibles. Nous savez comprendre ces affaires invisibles. Nous pouvons tout le tour de ça. Bon. La Genèse commençait avec chapitre 1er, verset 1er. Maintenant, nous imaginons un verset zéro. Dieu, c'est nous imaginer, nous dire, bon, nous mettons un verset zéro. Nous prenons une plume, nous mettons verset zéro. Alors, si Dieu crée les cieux et la terre au verset premier, mais au verset zéro, pourquoi on ne peut connaître hein, l'imaginaire, ça? Qui c'est là au verset zéro? Au verset zéro. Certainement, c'est là six dieux. C'est là six dieux. Pas même les anges. Pas même leur armée, comment le dire.
pas même les visibles ou invisibles. Tu as 6 Dieu. Qui fait? Bon Dieu, moi, mis à 11. Non, Dieu, on ne peut pas balance pour lui, pour servir lui. Il n'a pas besoin de servir lui. Il crée ça pour servir nous. Et nous, peut-être qu'on nous cause les anges, avec notre plaisir hiérarchique qui est là, nous comprenons qu'il crée ça à cause de nous. Donc, si nous imaginons le verset 0, Dieu existait, lui tout seul. Eternity long, comment nous dire, dans l'éternité. Bon, il n'a pas besoin d'un ange. Mais tout ce qu'il crée, voilà, côte mon père, tout ce qu'il crée, il crée pour nous. Il crée à cause de nous, il crée ça pour nous. L'incrée visible et l'incrée invisible, on vous focus beaucoup l'eau invisible aujourd'hui. Donc si l'incrée invisible, ce qui ne nous pas trouver, l'incrée ça pour nous. Maintenant, il n'est pas capable de créer des affaires pour moi et moi pas besoin de lui. C'est ça la grande question. Il n'est pas capable de créer des affaires pour moi et mon fil, ou bien mon livre, mon vivre, comme si on pas besoin de lui. Non, moi besoin de lui. Maintenant, si moi pas bien au courant des choses invisibles là, il y a une vie qui choue, hein. Vous pouvez rater quelque chose quand même. Pour ça, vous trouvez qu'il est important de nous comprendre ça. Bon. 2 Corinthiens 4, 18, nous lire. 2 Corinthiens 4, 18. Bon. Un point éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Voilà là. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. L'invisible, oui, mais qui m'a qu'à regarder ce qui est invisible? C'est pas moi la foi. Hein? L'invisible, oui, invisible à l'œil. Invisible à la vue. Mais si vous ne regarde l'invisible, comment vous regardez ça? Regarde ça par moi la foi. Hein? Et il y a pas autant parce que mon besoin regarde à ça. Invisible, quand les choses visibles sont passagères, et bien l'invisible, c'est éternel. Ben ce que vous trouvez visible, c'est passagère. Et bien l'invisible, c'est éternel. Moi, je prends ça vers là, juste pour montrer nous qui nous visage. Regarde par nous la foi dans l'invisible. Voilà. Hébreu 4 maintenant. Hébreu 11, pardon. 11.3. Hébreu 11.3. OK. Merci Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Regarde ça. Si tout ce qui nous trouvait là, pas de faire par quelque chose qui est invisible, mais de faire par l'invisible. Ce qui fait l'invisible est créatif. Si je comprends l'invisible, il est créatif. Il crée des histoires dans mon avis. L'invisible existe. L'invisible existait. Je vais maintenant vivre avec regard dans l'invisible tout le temps par mot la foi, parce qu'il n'est pas visible. Et je comprends maintenant qu'il est invisible, il crée le visible. L'invisible, il crée le visible. Bon. À une certaine extent, comment nous dire, certaines choses invisibles viennent visibles sous microscope. Par exemple, les virus, par exemple, qui est invisible à l'œil nu, mais ils viennent visibles sous microscope. Ça, c'est vrai. Certaines, pas tout ce qui est invisible. Vous pouvez déporter un petit peu l'invisible, là. Mais il amène l'invisible qu'il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension, on va prendre l'exemple. Un jour, tiennent la guerre, bon, simplifie, tiennent la guerre, etc., etc. Et ils y trouvent dans le monde spirituel une plus grande armée qui par rapport à l'armée physique, là, qui peut envahir les autres, qui peut surround eux. Ils confient. Qui fait? Ils trouvent dans l'invisible, ils trouvent une armée en plus grand nombre, en plus grand puissance, je suis capable de dire, qui. En faveur de lui, un homme céleste, pour vous dire, mais ceux-ci invités à paniquer. Vinjali, maître, il y a un problème, il y a un homme physique qui est nombreux, etc., terrifiant, etc. Et là, il dit, Seigneur, qui t'a ouvert celui-ci. Once mon Dieu ouvert les serviteurs, là, je connais que Moïse était dans le roi, serviteurs-là, sur l'attitude sans aide. Il la trouve ce qu'il disait de trouver. Il trouve l'invisible qu'il les a trouvés. Il est confiant, là. Il est confiant. Donc, si je commence à comprendre l'invisible, mon attitude, mon maillet, c'est mon Dieu, sans y. Sans y carrément. C'est ce que je trouve dans l'invisible. Et je trouve ça pour moi la foi, certainement.
Ça, je comprends ça. Bon, je ne suis pas capable de venir à l'invisible. Je ne suis pas capable. Il y a besoin de réalité pour moi. Il y a besoin de réalité pour moi. Ok. Je vais citer une phrase maintenant. Jésus-Christ dit à Thomas comme ça, toi, tu as trouvé ton corps. Mais heureux, le mot heureux en français, c'est le mot blesseur de l'anglais. Béni. Béni qui vient qui pas ne trouver mais qui croit. Béni qui vient qui pas ne trouver, qui pas visible à lui et qui croit. Donc moi je comprends maintenant, si moi commence à trouver dans le monde invisible, si moi commence à comprendre le monde invisible avec moi la foi, moi je viens béni. Moi je viens béni, heureux, heureux en français, mais blesseur de l'anglais. Bon. Je ne continue pas à courir pour montrer sa valeur à l'invisible. Sa valeur à l'invisible. Bon. Écoute ça maintenant. Jésus-Christ fait comprendre durant ce séjour de la terre que le Dieu invisible, une vie visible dans la personne de Jésus. Jésus-Christ fait comprendre dans ce carrière de la terre. Le Dieu invisible, une vie invisible, finit une transformation de l'invisible à chose visible. On est tout cas assez simple. Bon, on va aller sur le chemin. Veut dire sa process sortie de l'invisible ou visible là, il est possible. Il est possible. Il est possible. La parole il fait chair. La parole n'est plus la parole vraiment, mais il fait chair. Donc, dans mon avis, on dit, mon gardien est précédent. Qui me met dans l'invisible, me dit, est-ce qu'il est capable de matérialiser, capable d'une chair dans mon avis? Si, parce qu'il est un précédent. Sa formule, là, finit un précédent. L'invisible, il transforme l'invisible. Il crée un précédent, là. En tout cas, c'est le mot précédent. Il est un précédent. Il est arrivé. On les a arrivés. On les a racontés ça sous le fond, une petite histoire qu'on a inventée un peu dans le passé. Mais il est trop long, il est beaucoup de chômage d'état. On m'évite ça pour être dans le jeu au carré raconté. Mais ça donne moi l'idée que l'invisible, capable une visible dans mon avis. Donc ce n'est pas une bêtise, une sottise qui on commence à croire dans l'invisible, on commence à exercer la foi dans l'invisible, on dit bon, mais l'invisible. Tu dis moi, mais non, mais l'invisible, c'est l'invisible. Non, mais tu dis ça, non. L'invisible visible. Processing sans être invisible. Donc s'il fait une fois, il a fait 100 fois. Il n'a pas répété lui-même. Par exemple, la Bible dit à la foi. Il dit à la foi, c'est une substance de bonnes affaires qui une évidence, de bonnes affaires qu'ils ne m'ont pas trouvé. De bonnes affaires qu'ils ne m'ont pas trouvé. C'est traduction de la foi, Hébreu 11. De bonnes affaires qu'ils ne m'ont pas trouvé, invisible. Et les bonnes affaires, ben ancien, pour avoir possédé cette foi, quelle foi? Croire dans les affaires invisibles, là. Nous avons un témoignage. Nous avons un good report, lui dire. Nous respectons sa phrase. La foi, c'est une affaire qui me croit dans l'invisible. Bon, tu dis, moi, vous savez, l'invisible, moi, me croit là-dedans, pas la foi. Mais quel est le résultat? Verset qui suit, lui dire, ben, elder, ben, ancien. Nous avons un good report en croyant là-dedans. Un service, ça, c'est un good report. Mais si c'est un service, ça, vous avez un good report. Moi, c'est un service, ça, moi, c'est un good report. Les vous produire un good report, comment nous dire? Les vous produire un good report. Quand on veut commencer à comprendre ça, là. Alors, qui vous fait dans mon avis, maintenant? Je ne donne plus beaucoup l'importance. Nous regardons, comment nous dire? Je ne donne plus beaucoup l'importance aux choses invisibles par rapport aux choses. Je ne donne plus beaucoup l'importance aux choses invisibles par rapport aux choses visibles. Divin important là-dedans. Parce que je suis éternel. Par exemple, je crois dans mon salut. Il est invisible, ça. Je ne vais pas connaître, je ne vais pas trouver. Hein. Mais le temps nous dira, un jour, le temps nous dira nous, si je suis un imbécile ou bien pas. Ah oui, je connais pas un imbécile, je crois là-dedans, il est invisible, au salut. Mais le temps pour vous dire un jour qui, si je suis la raison pour croire là-dedans. Quand je vous trouve quelqu'un qui paye dans le salut, trouve-toi dans l'enfer un jour, les temps pour nous. L'avenir pour de moi, raison est là. Bon. Dans l'intérêt plus loin, pour comprendre sa histoire invisible. On a envie de comprendre sa histoire invisible. Bon. C'est dans l'intérêt plus loin. Et
Jésus-Christ, maintenant écoute ça, hein. Dieu, il transfère nous de un royaume à un autre. J'aime le senti ça, moi. Je vais me filer, il n'est pas palpable ça. Vous ne connaissez pas, bon, Dieu transfère moi de un royaume à un autre. Vous connaissez pas, comme on croit en Christ. Mais, connaissant qu'il m'a transféré de un royaume à l'autre, comment j'enlève, fait dire. Il ne faut pas lui laisser un mot. Prenez-moi vivre, lui. Prenez-moi vivre, lui. Prenez-moi vivre, comment tu as vraiment mon dans le royaume. Moi, un step qui me prend dans la vie, moi, une décision qui me prend dans la vie. Vous apprenez par rapport à qui me comprend, qui me vit dans le royaume, ou pas vivre dans un royaume ici-là. Ou si moi, je dis, moi, j'ai une double nationalité. Je vis dans la terre, oui, mais je vis dans le royaume de Dieu. Et il dit bien, bon Dieu, transfère-moi dans le royaume du Fils de son amour. Transfère-moi là-bas, moi là-bas maintenant. Nous tous, nous là-bas, quoi. Nous là-bas, nous tous. Donc, nous donne un royaume invisible. Le royaume de Dieu est invisible. Mais en réalité, moi là-dedans, je bénéficie de semaine la loi, de semaine privilège, tout ce qui est royaume. Un royaume, ça. Un royaume est dans le langage, un royaume est dans le bénéfice, un royaume est dans le droit, un royaume est dans le rules and regulations, comment le dire. Je bénéficie de tout ça là. Mais ce qui m'a fait vivre la vie chrétienne par rapport à ce qui m'a fait croire, bien, les cinq confessions. Je peux vivre dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a une sainte confession? Non. Il vient avec moi, je suis en train de dire. Vous avez vivre, lui. Vous avez senti moi là-dedans. Vous avez réponse par rapport au modèle de notre royaume. Vous avez vivre mon avis, comment dire, modèle royaume nouveau, qui est le royaume de Dieu. Merci Seigneur, ok. Maintenant, écoute ça. On est bien plus loin. De plus en plus, on est bien plus loin. C'est quand nous comprend. Il vient beaucoup plus clair. C'est quoi l'invisible? Dieu ne crée l'invisible. Dieu ne crée l'invisible. Ok. Jésus-Christ explique sept paraboles. On va vous demander paraboles. Écoute-moi beaucoup les temps. Déjà, les vers 25. Il cause sept paraboles, Matthieu 13. Pas besoin de tout faire. Trouve-moi là-dedans. Là. Matthieu 13. Premier parabole, il cause parabole sémeur. Ok. Deuxième parabole, il cause parabole livrée. Livré et le blé. Ok. Troisième parabole, l'icose, la graisse s'élevée. Quand on planté, il y a un gros légume, les oiseaux abritent là-dedans. Troisième parabole. Quatrième parabole, l'icose, l'élevain qu'elle madame mélangé dans la farine et fait l'élever. Quatrième parabole qui l'icose. Cinquième parabole, il dit, le royaume des cieux, il y a encore semblable à un trésor caché qu'un homme trouve, qui la trouve, le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ça, c'est cinquième parabole. Sixième parabole, il y a une autre parabole, il dit comme ça, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des belles pierres, des belles perles. Il la trouve, une perle de grand prix, et il allait vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Septième parabole, il cause le royaume de Dieu est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassé des poissons, toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Cette parabole. Écoute-moi maintenant. Il s'est mis sept paraboles, moi je ne vais pas demander de paraboles, là c'est une parabole, là, mais il s'est mis sept paraboles pour expliquer un royaume et un royaume qui est invisible. Il s'est mis sept paraboles pour expliquer un royaume qui est invisible. Si ça ne te concerne moi, je ne pas trop qu'il fasse un tel enseignement. Non, il concerne moi. Il concerne moi qui vais vivre sur la terre, là, aujourd'hui, à comprendre ce royaume de Dieu là. À cause, il donne cette parabole pour expliquer c'est quoi le royaume de Dieu. Maintenant, le verset 51, vient de lire. Avez-vous compris toutes ces choses? Parce que Matthieu 13, 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Et il leur dit, regarde ça. C'est pourquoi tout scribe. C'est quoi un scribe? Un scribe, c'est un student, comment on dit, un élève. Un élève. Ok. Et instruit dans ce qui regarde le royaume. Un élève qui apprend le royaume de Dieu.
instruit dans le royaume des cieux, et semblable à un maître, comment dire semblable, un maître de maison, qui tient le son trésor. Qui tient le son trésor. Le gars, il y en a trésor, là. Le gars, il y en a trésor. Des choses nouvelles et des choses anciennes. Moi, il y a une version différente. Moi, il y a une version différente. Merci, Jésus. OK. Il y a l'anglais, bon. C'est une version différente. OK. Those expert in Jewish law, un expert dans la loi juive, who are now my disciple, qui est maintenant mon disciple, have double treasure, il a double trésor, from Old Testament and well as New Testament. Veut dire, quelqu'un qui comprend le royaume, c'est pour simplifier, hein? Quelqu'un qui comprend le royaume, quelqu'un qui comprend l'invisible, lit, manipule, non, bon. Il n'a pas jongler, voilà, j'ai envie de dire ça. Il n'a pas jongler avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament facilement. Voilà ce qu'il a envie de dire. Quelqu'un qui comprend l'invisible, quelqu'un qui comprend le royaume de Dieu. Il n'est pas jongler avec le nouveau et l'ancien. Tu viens jongler entre l'ancien et le nouveau. Il vient d'un maître. Il vient d'un maître qui comprend l'ancien et le nouveau. Et il jongle facilement entre les deux. Pas beaucoup qui viennent faire ça. Pas beaucoup qui viennent faire ça. Très petit démon. Très petit preacher. Capable de faire ça. Jongler entre l'ancien et le nouveau. À l'aise. Et comprend. Juste quand il comprend le royaume de Dieu. Donc, on dit beaucoup là. Donc, comprendre l'invisible, il y a des affaires extraordinaires. Merci Seigneur. Moi, je voulais lire en voice, mais écoutez, dans une autre version qui s'appelle voice, extra jolie. Pas nécessairement faire lire, parce que mon grand monde me donne assez d'explications pour comprendre. C'est quoi comprendre l'invisible? C'est quoi comprendre le royaume? C'est devenu un quelqu'un qui t'a maîtrise l'Ancien et le Nouveau Testament facilement. Tu comprends comment jongler en s'adéla, sans faire erreur, avec accuracy, on va le dire, avec accuracy, avec façon juste, juste. Bon, ok. Laisse-nous comprendre l'invisible. Et nous, bon, tiens, même Moïse, le règne de l'endroit, la montagne est bien là-haut. Il montre lui dans l'invisible un tabernacle. Il montre lui dans l'invisible. Un tabernacle. Apparemment, Moïse a une visite guidée. Hein. Apparemment, peut-être nous ne comprenons pas ça, mais Moïse a une visite guidée à l'intérieur. Et là, Dieu dit, connais, répète ça sur la terre. Répète ça, modèle-là. Millimètre près, veut dire. Millimètre près. Peut-être pas même matériau, parce que ce qu'il fait dans le ciel, il y a un matériau différent. Mais toi, quand tu as la terre, c'est le même matériau de la terre qui Dieu donne. Et répète ça même tabernacle, là, la terre, pareil, millimètre près. Et même Yannick Dominé, prends soin, fais d'après le modèle qui t'a été montré. Prends soin, fais d'après le modèle qui t'a été montré. Qui peut arriver là? L'invisible peut traduire dans la réalité. Il ne faut pas nous croire invisible, du Brésil, c'est invisible ça, il y a invisible ça. Non! Non! Il peut traduire dans la réalité. Il y a un bâtiment qui trouve dans l'autre vie, dans le monde spirituel, qui Moïse, il répète ça pareil, millimètre près. Il prend le temps pour construire, mais il construit un lit. Tu m'as envie de dire. Quand tu passes que tu as bien là, quel sentiment tu es là? Et il dit ça, dans l'invisible, il y a un pareil comme ça. Aujourd'hui, le loyer, il y a un pareil comme ça. Donc, ta conception le long de l'invisible, il s'en est là. C'est ce moment-là, il s'en est. C'est ce qui, le but de sa message-là, c'est pour sens de conception. Ça vous comprendre l'invisible car invisible. Tout ce qui vous croit pas ou la foi dans l'invisible, les pouvines visibles. Définitivement les pouvines visibles. Merci Seigneur. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, nous-mêmes, nous compositions ces deux tiers spirituels. L'esprit et une âme spirituelle. Pendant qu'un X-ray, pendant qu'un
lui même l'appareil à m'appeler. Mais donc un appareil, pourquoi trouve ça? L'esprit est là, l'esprit spirituel ça. Nous-mêmes, nous avons une composition de deux tiers spirituels. Là, c'est tout l'ego qui fait. C'est tout l'ego qui fait. Et donc un échographie, vous voulez voir l'appareil là. Et donc un échographie, qu'a trouvé ça? Merci Seigneur. Merci Seigneur. La transgression de Adam et Ève. Il y a une affaire spirituelle, ça. Hein? Cette transgression spirituelle. Il y a bien conséquences à péter. Conséquences à physique. Physique. Premièrement, vous êtes nus. Votre consciousness de vie. Vous êtes nus avant. De bien sa consciousness de vous nus. Shame rentrée. La honte rentrée. La honte rentrée. La honte partie là. Donc il n'est que d'avant, il n'est que d'après. What's the difference? C'est simplement feeling. The consciousness qui ne rentre. Transgresser des affaires spirituelles, voilà. Tout mon idée là, tout mon focus là, qui vous permet de faire comprendre grand matin, je vous dis là, faire comprendre que les choses spirituelles, je trouve une physique dans la vie. J'ai une amane répercussion physique. Tantôt beau et tantôt pas beau. Tantôt bon et tantôt pas beau. Pas croire que quand il sera invisible, il pourrait être invisible. Non. Non, il peut transformer, il peut changer. Il peut produire. Il peut même produire des âmes. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour mettre la foi là-dedans. Il y a beaucoup d'intérêt pour mettre la foi là-dedans. Bon. Ah non, hier, vous êtes PC, c'est spirituel, de transgresser l'ordre de Dieu, oui. Mais sans ce moment-là, une physique, sans ce moment-là. Votre consciousness de nudité, vous êtes pénadroitement dans l'ordre de vie. Je mets un droit dans l'homme de vie. Et les nances qui tiboutent là-bas avec un l'épée, on peut juste manger. Mais le droit, il a arrêté ça, cette histoire-là. Mange dans l'homme de vie, non, c'est moi qui ai le droit. Finalement, interdiction. Et il y en a fait physique, ça, manger. Mange dans l'homme de vie, ça, c'est physique, ça. Faut pas qu'on ait qui fouille ça, qui était, mais c'est l'homme de vie. Je mets un droit à manger dedans. Une telle affaire arrive, je de la vie dégringolée. De la vie dégringolée, ça mène tout l'enterrement. Comme il enterrement que Dieu. Comme il entièrement que Dieu. Vous ne comprenez pas comment Adam et Ève qui filent quand un bel mot. Et moi, comment ma mère pensait mon petit dégorçon là. Mais il m'a trié là qu'il m'arrive. Il y a un problème là, on dit. Bon, nous disons que ça, il fait notre débat. De dégrader physiquement. Maintenant, le croyant, le fait qu'il ça y a un known pour lui, il pas connaît le monde spirituel, il pas comprend les choses invisibles, ben, mais là, c'est le physique qui est affecté, c'est le monde physique qui est affecté. Par contre, si tu comprends l'autre côté là, par contre, si tu exerces la foi là-dedans, et tu vives là, nous regardons les choses invisibles, right? Et tu pourras améliorer beaucoup cela. Merci Seigneur. Merci Jésus. Faut pas nous sceptiques quand il a fait il y a invisible. Non. Il y a invisible à te liger pour l'instant. Mais comme on dit au départ, il n'est pas invisible pour Dieu. Pour Dieu, c'est un fait invisible, ça. Il trouve tout. Dis ce qu'il doit pas trouver, te limiter là-dedans. Mais il crée. Et qui fait l'incrédit? Il crée ça pour toi. Il va créer ça pour lui. Il crée ça pour toi. Il vaut la peine, justement, le royaume de Dieu. Par exemple, on va prendre un exemple. Et. Ben démon, c'est invisible. Mais quand je deviens démon, c'est démon a souffert, c'est démon a eu un problème, démon a un malade, démon a cabossé, comme la femme courbée, il cabossé, la femme paye de sang, etc., etc. Ce résultat, c'est l'invisible là. Il n'est pas sans dommage, il n'est pas sans dommage. Non, il n'y a pas de dommage physique dans la vie. Donc il y a pourtant, on comprend les choses spirituelles. Il y a pourtant qui m'ont capable d'exercer la foi dans tout ce qui me croit invisible. Moi, j'exerce la foi dans tout ce qui me croit invisible. Regardez, le diable, quand il servit justement cet orbe de la connaissance du bien et du mal, c'est pour vous les autres, ça. C'est pour aucun autre. Mais vraiment, qu'il y fait? Il y avait des affaires qui l'ont dit. Dis-nous bien, Ève, dit fruit-là, il asseste fruit-là, asseste. Il fait l'examen en fruit-là. Sa fruit-là, Marie-Jolie, a se liché. Deuxièmement, je suis dans sa labilité-là à l'époque. Je suis nous dans sa labilité-là. Il a s'inscrit en tant que. Il a ouvert mon intelligence.
ce niveau à 16 mètres sans emploi, et tu comme ça. Ils ont dit nous payer dans le lit. Ou bien n'importe qui fruit, ou pas même connaître qui vitamine il y en a là-dedans. Il faut des laboratoires, il y a où ça. Mais à cette époque, tu es capable à 16 lits. Et qui aime, il y a 16 ça. Maintenant, le diable met ça devant lui, fait lire à 16 ça physique là, pour qu'aucun lit spirituellement. Ça me donne un fait bien grand là. Le diable met quelque chose physique devant lui. Fais-lui à cesse ça, comprends ça. Regarde bien. Comprends toutes ces affaires qu'il y a autour de sa fouille là. Pour voler spirituellement. Pour couper spirituellement. Pour voler carrément tout ce qu'il y a parlant spirituellement. Maintenant, il ne faut pas nous rendre ça bien là, nous. Qui le physique, lui, lui permet le diable qu'aucun nous. Bon, tu es tout maladie là, problème, tu parles quoi, tu vous bien. C'est tout maladie là, problème. Manque à ça, problème, tu pas tout, non, rien, mais en même temps, si tu continues à croire dans sa physique là, il peut être coquetteur spirituellement. Et qui bondit jusqu'à 100 situations d'un moment à l'autre. Bondit jusqu'à 100 situations d'un moment à l'autre. À cause de la chapitre 1er, 3, c'est le premier dire comme ça. Si tu es ressuscité, dites ça. Vous croyez, verset créole, recherche les choses d'en haut. Mais papa, tout qui sont dans haut là, il est invisible. Ce qui te peut dire moi là, dans le chapitre 3, tout ce qui te peut dire moi là, les choses d'en haut là, c'est invisible. Et te dire moi, si mon ressuscité en Christ recherche les choses d'en haut, veut dire, elle a une démarche pour m'offrir. Elle a une démarche pour m'offrir. Me comprend les choses spirituelles. Est-ce qu'il y met ça? Non, il sent la vie physique. Il améliore la vie physique. Il en a un pack le taux physique. Extra important. Pour me dire invisible, aussi. L'invisible. Comment l'invisible? Si nous avons un titre, nous disons, bon voilà. L'invisible affecte nous la vie. Dieu ne crée l'invisible, mais il affecte nous la vie. Comment il affecte nous la vie? Comment nous la vie dépend de ça? Regarde ça maintenant. Quand nous lisons la vie de Daniel, quand nous lisons la vie de Daniel, et regarde un peu comment ça passe. Daniel qui. En exil, il est un pays étranger. Il est en exil faussement, hein. Faussement, il est obligé d'aller. Parce qu'il, vu la rébellion de sa époque là, il est obligé d'aller en exil. Mais vivre en exil, elle n'a vie jolie, ça. Elle n'a vie bien difficile, ça. Premièrement, pas qu'au tout. Dimona se leur regarde pas pareil comme à où. Un jour, il y a qui vit en Australie, il y a moi connais. Donc elle vit 40 ans en Australie. But I am a stranger. Tu dis que je étranger. C'est là, il y a un moment où ça te connaît. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est là, je travaille à une place. Écoute, mon téléphone. Un Australien téléphone, moi. Et, pas mon accent, il connaît mon pas Australien. Quel monde est raciste, il y a un moment où ça te connaît. Il n'y a pas d'Australien pour causer. Pourtant, c'est mon boulot pour dire ça. Il est raciste. Il y a un moment où il est raciste. Il dit comme ça. Passe-moi un Australien. Ne sachant pas qu'il est mon chien. Il me connaît, il y a une race étrangère. Vive 50 ans en Australie, vive 50 ans en Angleterre, vive 50 ans à côté de ton vie. You are a stranger. T'es un étranger. Quand tu veux que toi, t'es un étranger. Je vais passer là aussi, même au tout banal. Mais moi aussi. Bangla, Bangla. Ben Bangla. Moi, dans la boulangerie, je vais si tu veux. Bonjour, Missé. Bangla. Il reste Bangla, même pour moi. Vivre en exil, nous avons décrit ça la vie exil. Ou pleurer, c'est moi qui raconte la vie exil. Daniel exil. Dans l'exil là. Mais il tape avec un verset dans Jérémie qui dit comme ça, soit en disant l'exil est terminé. Soit en disant l'exil est terminé. Il a calculé, moi, il y a 20 ans, moi, il y a 80, 80 plus 20, pardon, 70 plus 20, fait 90 ans, moi, il y a 90 ans. Mais il est en train de traverser là. Qu'arrivé là. Regarde ça, et plus cette histoire-là, créole, façon créole. Il y a 90 ans, il y a bon, mais tu rentres là, moi, j'ai 20 ans, 70 ans, il est passé, moi, j'ai 90 ans. Ils ont dit, on paye 92 ans, maybe, on peut prendre un chiffre, là, approximate, just to, for teaching. Et, moi, j'ai 92 ans, 10 ans, il est traversé, mais libératoire, quand? Il y a non, mais là, moi, j'ai joué, là. Il y a bon, ok. Il met un jeune pour les jeûner. Comment on dit que fait, on dit, le jeune de Daniel, 21 jours. Ça, il n'y a pas fait, bon, on a déjà discuté ça. Bon, ça c'est une autre histoire.
déjeuner pendant 21 jours. Étant déjeuné pendant 21 jours, la Bible raconte-nous qui, dans l'invisible, un mari l'arrière déroulé. Il n'est pas connu, il n'est pas trouvé, lui. Hein? Un mari l'arrière déroulé. Vous pouvez constater, là. Un l'arrière entre Michael et justement ces mêmes démons, là, qui peut empêcher d'aller. Il y en a qui la connaissent, des démons, ça. Il y en a qui la connaissent, des démons qui empêchent d'aller, là. Il y a une prophétie, mais ils ne peuvent pas être libérés. Il y a un démon qui me bloque ça. Dans l'invisible, il y a une lagueur. Dans l'invisible, il y a une lagueur. À cause du péché, il prie. Qui m'a envie de dire? Nous avons cette vidéo-là à deux côtés. Il paraît quand on lit le livre de Job. Job est un seul vieux, il sait ce qui m'est passé. Mais nous, readers, on dit, nous lecteurs, on dit, nous avons vu de deux côtés. Qui en Dieu et le diable est une conversation. Il peut dans ça, lui. Daniel s'est marré, il peut dans ça, lui. Pas connu, lui. Mais dans l'invisible, dans le monde, dans le royaume de Dieu, il y a une bagarre qui est déroulée. Le compte de Daniel, pour Daniel, et il est libéré. Et quand il est libéré, les rois ramassent casse d'un lit. Extra ça, cette histoire-là. Les rois ramassent casse d'un lit pour faire ce qu'ils viennent faire. Lire de te libérer. Quand la guerre a passé dans le monde invisible. Alors, on dit le croyant qu'il fait. Il vit comme si le monde invisible n'existait. Parce qu'il peut en donner toujours là. Les Américains ont enseigné ça, montrer que le monde invisible existait. Et il a affecté toute la vie physique. Il a affecté toute la vie physique. Moi, nous sommes, je peux raconter un petit peu d'affaires. Je crois, mettre une parenthèse et mettre ça là-dedans. Les pour extraire de nous. Un petit peu en adultère. Un qui vient en adultère. Adultère veut dire qu'il est marié, il y a une deuxième madame ou une deuxième amitié. Il n'est pas connu, il peut transférer sur le destin. C'est pas une affaire physique, ça. L'adultère, c'est pas une affaire physique, ça. Il peut transférer sur le destin. Il peut transférer sur le destin. Qui m'a dit pas le destin? Je couche avec une madame qui ne m'a pas marié, mon adultère, la case qui m'a utilisé à ranger, moi. Vous transférez ça à sa madame. Madame, là, quand il a son mari, il transfère ça à la case à son mari. Vous prenez la case, c'est pour faire comprendre ce qui m'est passé là. Il transfère ça à la case à son mari. Il dit, vous voulez dire l'adultère, c'est une affaire physique? Non! Tu transfères du destin là. Vous pas rentrer, vous dire ça. Vous me les avez dit, mais on va dire. Une seconde. Proverbe 5, 10, pas besoin d'ouvrir, écoutez. De peu que les étrangers ne se rassassissent de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Dites ça. Le monde, ça coûte spirituel. Là. Beaucoup plus rien pour autant qu'il va un chrétien pas faire attention. J'ai envie de jouer aux de l'attention. Moi, je couche avec quelqu'un qui ne m'a pas supposé coucher, qui n'arrivait, moi, je prends mon destin, où je vais rentrer dans la case, moi. La casa me transfère ça à madame là. Madame là, elle dit qu'elle couche ailleurs, elle me transfère la casa à l'autre. Qui m'a trouvé, elle peut construire la case. Moi, la case. Elle peut construire, moi, la case. Elle dit dans un bon la case et moi pas. Mon transfert là. Mon transfert là. Dans mon plus loin que ça. Bon, mon nouvelle parenthèse, on ne veut pas rentrer là beaucoup plus grand. Les petits forts sur madame trouve Joseph. Donc, comment ce désir pour coucher avec lui, c'est un joli garçon? Ou bien madame là, elle est en manque de la sexualité de son mari? Non, pas vraiment. Quel est le but? Quel est le but? Le mobile du crime, on va lui dire. Quel est le mobile du crime? Il trouvait qu'il dans ce la case, Joseph, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout dans ce la case. Joseph, il prend le contrôle de tout dans ce la case. Et il connaît maintenant, comme on a dit ça, si Michel est petit fort, il met une cravate, il va tout devant sa madame. Eh madame, cravate là, jeune bon. Non, il vient Joseph, cravate là, jeune bon. À un moment donné, madame, non, il m'a dit rôle femme là, moi. C'est Joseph qui est tout bon. Voilà. Il connaît, si ça continue comme ça, Joseph pour prendre la place de son mari au travail. Il sentit. Sur assessment, assez faux. Et si ça continue comme ça, dans la case, il prend place. Moi, comme femme,
Mon épouse femme dans la casa, c'est Joseph qui prend tout. Si ça continue comme ça, il vous remplace mon mari dans le travail. Qui m'a fait me coucher avec lui. Voilà le mobile du crime qui fait une envie de coucher avec Joseph. Si mon récit fait ça, pour prendre ça, il connaît qui dans Joseph et Nana Noiting pour venir diriger l'Égypte. Comment il y a ces scènes où elle nous raconte tout le livre. À ce moment-là, il dit non, pour bien rassembler. Il s'est fait sa proposition là. Mais Joseph, il m'en a qui dit. Il m'en a qui dit. Il skip là-dedans, il s'ouvre là-dedans. Il garde sa dirigeant l'Égypte là pour lui. Il n'est pas 25 avec la femme de Potiphar. Sinon, il est 25 avec la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar, tu es 25 avec son mari. Son mari, tu restes dans le job là. Voilà, voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Qui m'a même dit 10 minutes physique, spirituellement tout down. Le chrétien n'est pas aware de sa côté spirituel. Il existe le physique, pas qu'il fait quoi, il a des délégués. Mais non, mais 1000 fois non, mais 100 000 fois non. Dans le monde spirituel, beaucoup ça fait à passer. Et bon Dieu, crée l'invisible pour te comprendre maintenant, qui beaucoup ça fait à passer, beaucoup ça fait à passer. Beaucoup ça fait à passer dans le monde spirituel. Il est important de comprendre ça. Mon Dieu, c'est droit, tu concernant Joseph, etc. Comment un acte d'adultère, les conséquences sont graves. Merci Jésus. Merci Seigneur. Romains chapitre 4, il y a comme ça qui, bon Dieu, appelle les choses qui peuvent exister comme si elles existaient. C'est un super verset. Bon Dieu appelle les choses qui peuvent exister comme si elles existaient. Bon Dieu appelle les choses qui peuvent exister comme si elles existaient. T'as là, moi, je dis comme ça, quand il est invisible pour vous, il n'est pas invisible pour Dieu. Il n'est pas invisible pour Dieu. Pour bon Dieu, ça, quelque chose-là, est déjà visible pour lui. Il appelle ça quelque chose qui est visible pour lui, mais qui est invisible pour vous, avec une visible pour vous après. Ah, compliqué. Compliqué, c'est que je vais vous expliquer. Compliqué. Dieu appelle les choses qui peuvent exister. Vous voyez, ils ne peuvent pas exister? Ils ne peuvent exister pour vous. Mais si vous ne pouvez pas trouver lui. Mais vous dites non, lui, trouvez lui. Il appelle ça quelque chose qui vous pas trouvé là, comme si ça existait. Et là, sa vie n'existe dans où la vie. Mais vous mettez un parallèle entre des mondes, là, moi. Vous mettez un parallèle entre des mondes, là. Dieu appelle les choses qui peuvent exister comme si elles existaient. Rien du tout. Paradoxe histoire. Vous comprenez quand vous dites l'histoire, là. Balaam est un prophète, ça. Il n'est pas un prophète de l'éternel, vraiment. Prophète de Madian, etc. Nous nous disons ça. Il n'a pas mêlé, mêlé là-dedans. Pourquoi l'éternel? Pourquoi prophète de l'éternel? Est-ce qu'il est prophète de l'éternel? Pas vraiment prophète de l'éternel, prophète de Madian. Mais c'est moi qui ai un palmarès extraordinaire. Hein. Dans la région qu'on dit rester, il est connu. Quand Balaam a fait ses affaires, Balaam a dit ça. Parce qu'il nous prend les rois vite. L'histoire est fanée. L'histoire est fanée qui s'aboule là. Quand il a dit ses affaires, il a dit ça. Quand il a dit ses affaires, il a dit ça. Mais la population comme ça, c'est un escasoré des rois. Le roi Balak a dit, vini, mon tacas. Mon travail de faire. Maudis-moi sa peuple Israël. Bon, il dit sans une langue, sans des langues, sans trois langues, il y en a une qui dit ça. Ce n'est pas écouté même. Parce qu'ils m'ont dit, ferme sur la bouche là. Pas écouté. Maintenant écoute ça. En tant qu'il devint, en tant qu'il sire, pour nous dire, trouve clair. En tant qu'il voyant, c'est l'homme idéal pour trouver dans le monde spirituel, ça. C'est l'homme, c'est lui qui vient trouver dans le monde spirituel. C'est pas l'homme ordinaire. Dieu fait de sorte qu'il y a une bourrique trouvée, mais il n'est pas trouvé. Son bourrique, son mouture, trouve dans le monde spirituel, il n'est pas trouvé. Il n'est pas trouvé l'ange qui va m'y aller. C'est paradoxe, histoire, hein. Un bouc qui s'y posait trouve dans le monde spirituel, il n'est pas trouvé. Mais c'est ce mouture, c'est ce animaux qui lui montait, ce donkey. C'est lui qui trouvait. Et responde ça donkey là, et responde de Balaam. Opposé. Balaam bat sa bouille là. Bat lui. C'est l'attitude différente qui fait là. C'est ce que Balaam pape trouve dans le monde spirituel. Beaucoup de chrétiens ont une attitude différente. Parce que tu es aveugle, tu ne pas trouver dans le monde spirituel. Ce que je trouvais, tu me composes bizarrement, drôlement différent. Différent. C'est un gros obstacle, ça. Dieu ne craint des affaires qui vous parcourent là-dedans. Merci Jésus. Je te rappelle quand, moi, c'est un temps, quand ils ont ces affaires,
comme à la pétuise. On s'appelle Étienne. Maintenant, on va nous suivre quand pour lapidou. Je vais vous prendre une rose qui pèse 10 grammes. Non, je prends une pavé. Un pavé, une belle morceau de rose, je vous prends pour tuyau, là, même une tuyau avec lapidation. Lapidation fait une grosse rose. Et moi, si nous, Étienne, peut gagner un coup de rose. Pas connu comment du monde peut lapider. Hein? Pas connu comment du monde peut lapider. Hein? Nous, mettons tigui, du monde peut lapider. Un exemple. C'est each time il gagne 30 coups de rose. Combien de rose c'est dans la main? Dédé. 4-4, pas connu combien. Tu fais un travail. Si je car saisis ça, je saisis grand. Même si je saisis tout le message, je me dis, enfin non, il y a ça bout là, saisis ça bout là. Dieu ouvert ce lit. Elle les trouve dans le monde spirituel. Vous connaissez les covines painless? Ils sont douleurs. Ils sont douleurs. Zis ce lit ouvert, ils trouvent dans le monde spirituel. Pas connaît comme écoute, Rosling gagné. Il m'a. Mais il vient painless. Il vient sans douleur. Zis ce lit ouvert, et ils trouvent dans le monde spirituel. Ils trouvent Jésus-Christ. Des bouts à la droite de Dieu. Des bouts à la droite de Dieu. Des bouts à la droite de Dieu. Là aussi, mauvaise parenthèse. Habituellement, Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, non? Il fait des bouts. Je vais donner un exemple. Et c'est un beau gosse, un talon. Non, vous trouvez? C'est un beau gosse, un talon. Vous capez assise. Et c'est un beau gosse, un talon, vous voulez dire. Vous voulez, mais? Non? Logique? Jésus-Christ met-il des bouts parce qu'il tient des mots. Il met-il des bouts. Et à mon point de vue, j'ai envie de retourner ça sur vous-là. Là, le Père trappe sur la main. Il y a les fistons assis, toi. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse. Maud de la langue. Maud de colère. Si, toi. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et dans Étienne Pémo. Et moi, ce qui me content là-dedans, c'est qu'il se lit, j'ai ouvert, il trouve dans le monde spirituel. Il trouve Jésus-Christ débouté à la droite de Dieu. Totalement licencié. Sur les Covid painless. Il changeait complètement, il mourra mortir. Bon, tu vas route délivrance, non? Tu vas route délivrance, ami. Non, il y en a qui se voient pour gagner la délivrance, ami. Il mourra. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le monde spirituel très très bien. Il est beaucoup plus rare pour autant que ça monde. Il est beaucoup plus rare pour autant que ça monde. Merci Jésus. Ok, comment tu dis? Once qu'il nous accepte Jésus-Christ, nous vivons vivants pour sa monde, là. Nous vivons vivants. Et nous pouvons vivre dans sa monde. Là. Nous pouvons vivre là. Alors, je termine là ce matin pour dire une affaire qui est bien intéressante. Peut-être que vous ne comprenez pas tout ce qu'ils m'ont dit, pas important. Mais comprenez l'affaire. Hein. Dieu, il crée un invisible. Il n'est pas créé ça à cause de lui. Il n'est pas bizarre ça à lui. Verset 0, Genèse, chapitre 1, verset 0. There was God only. Pas plus que ça. Pas même maintenant. Pas bizarre personne. Verset 1, il crée les cieux et la terre. Et puis il continue à réparer. Il met l'homme. Quand il met l'homme, il crée ça pour nous. Le monde invisible. Et le monde invisible, c'est un royaume, ça. Il y a un roi là-dedans. Il y a une règle, il y a la loi, il y a tout. Mais quand nous servons ça par Dieu la foi, nous sommes nos conditions physiques. C'est ça, nous sommes nos conditions physiques. Voilà ce que mon ami dit ce matin. Et le titre sera justement comment le monde invisible impacte-nous la vie, change-nous la vie. Amen. On met du debout ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous vivons avec une conscience qui peut passer dans le monde spirituel. Par exemple, la Bible dit pas maudit personne. Pas maudit personne. Hein. Est-ce que bon Dieu peut gagner un tracas, ça dit moun qui m'a maudit là? Allez, moi maudit sa gorge qu'on a là. Est-ce que Dieu gagne un tracas, ça dit moun qui m'a maudit là? Non, Dieu gagne un mot tracas. En maudissant, vous pouvez faire moi venir qui tienne, qui n'est pas bon dans le monde spirituel. C'est pour ça que mon Dieu pas maudit personne. Dit moun qui m'a maudit là, lui, peu importe si pas les gars conséquences, ça ne Dieu le dit ça, mais bon Dieu pas gagner ce tracas, on dit gagne un mot tracas. Il ne pas maudit personne. Toi. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, quelque chose passe. Chaque action nous fait. Chaque action nous fait. Chaque démence nous fait.
il est l'impact de l'amour de Dieu. Même nous, pas trop oublier, il est l'impact de l'amour de Dieu. Comme on explique tout à l'heure, tu vois, quoi là, tu gagnes cette affaire praticable, faisable, etc. Non! Tu vends ton destin à mon gosse. Tu es un grand businessman, demain, tu ne connais plus businessman. C'est ça le problème, tu vends ton destin. Monsieur Louis, Seigneur, Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous comprendre. Mon rendez-vous à grâce, Père. Mon conscience du monde spirituel est beaucoup plus important. Je connais comment je vivre maintenant prudemment, vraiment prudent, à ce qu'il ne me pas dérange dans le côté spirituel de mon vie. Il y a beaucoup de choses qui m'ont besoin de redresser. C'est d'abord me redresser ça dans le monde spirituel d'abord. Merci Seigneur. Vous rappelez-moi, Seigneur, quand tu dis, si quelqu'un vient nous faire toi une offrande, c'est-à-dire sur la prière ou bien une offrande, whatever. Il y a le réconcilier que sur l'ennemi d'abord. Qui t'a bien envie de montrer, Seigneur? Régler les choses spirituelles d'abord. Régler l'amertume, régler mes affaires pareilles. Et mon avis, il pousse mouf, Seigneur, notre Dieu. Père, mon rends-toi grâce pour ta merci ce matin. Nous n'apprenons de toi, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. La courage chante, nous prépare la Sainte Seine. Merci, Seigneur. Oh,
Seigneur, et nous confions justement qu'il c'est le corps et le sang de Jésus, très amoureux et à cela, et Dieu me le croit, voilà. Mais Marie dit, qui de nous y écrit dans le livre de vie? C'est une démence personnelle, ça. Parce que Moïse, il est aussi au courant qui le nom qui te décrit à l'autre dans le livre de vie, qui te fait écrire, pardon. Il a été effacé, hein. Vous pouvez dire, efface-moi le ton livre. Donc tu connais la Bible, tu connais son nom écrit là-bas, mais tu connais qui la possibilité d'être effacé, ça aussi existe. Donc on t'encore avec toi comme ça, quand l'esprit est comme ça, fais que ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc dis-toi pour profiter, et même jour sans pousser avec toi, quand Dieu ouvre sa Bible et trouve ton nom écrit là-dedans, ça veut dire ce qui doit te le faire pour qu'il te mette là-dedans. Ben, de me dire voilà, vous tenez la raison. Vous tenez la raison pourquoi l'ennemi ne vous a pas trouvé. Vous tenez la raison pourquoi, dans le nom qu'il écrit, il ne vous a pas trouvé, dans l'invisible. Donc, dis-moi, mais bénéficiez. Très important de vous reprendre sa place. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Keep playing.